section nucléaire de la droite, la transformation de la Rennes 1 en axe autoroutier. Et tu as rappelé que, monsieur le Premier ministre, que la route nationale numéro 1 fait partie de l'autoroute, que nous appelons aussi l'autoroute nord-sud, fait partie de la route transsaharienne. Et c'est donc l'axe Alger-Négos. Nous avons achevé, donc livré durant le quinquennat passé, la section terminale Saint-Gézin. Nous allons donc passer à une seconde phase, c'est celle d'augmenter la capacité de cet important donc axe qui est par excellence aussi un axe d'aménagement territoire parce qu'il est le lit de deux villes nouvelles, à savoir Bouzou et la ville nouvelle de Ménéar. Ce qu'il faut dire ici, monsieur le Premier ministre, c'est que nous avons ici les zones en itinéraire. Nous avons engagé des travaux au niveau du média. Le média donc, connaît un relief très accidenté donc, au niveau de la section Chiffin, parce que c'est le changement au niveau de l'autoroute Est-Ouest, jusqu'à Drouaguilla. Donc ici, nous allons réaliser 6 tunnels et des ouvrages d'un lien global de 17 km. C'est pour vous dire un peu toute la complexité de cette zone. Et tous les travaux sont engagés jusqu'à la limite du village de Djulfa. Au niveau donc du Djulfa, les études sont achevées, donc ils sont lancés au courant de cette année. Et nous allons engager maintenant, à partir de ce point, les travaux de sa transformation en axe autoroutier du tronçon de Roade. Et le travail va se terminer aussi au niveau de la ville de Néa jusqu'à la limite du wilaya de Tandarasset. Pour vous donner juste un aperçu sur l'importance de cet axe et surtout le niveau de trafic. Nous enregistrons surtout sur la partie nord, entre Djulfa et Média, sur certains tronçons, des pics de plus de 30 000 véhicules avec 40% de poids lourd. Donc c'est pour ça qu'il faut ici augmenter la capacité de ce réseau, qui sera aussi, donc l'autoroute nord-sud, sera donc connecté à la 4e rocade au niveau donc de Brouaguilla. La 4e rocade va relier donc Misfilena à Borjbararis. Ça permettra de répartir le trafic qui vient du sud du pays vers l'est ou l'ouest déjà au niveau de Brouaguilla. Et il y a aussi donc une connexion au niveau de l'autoroute de haut plateau. Ça permet aussi de répartir le trafic pour toutes les agglomérations et toutes les villes qui se situent sur la ligne des hauts plateaux. Voilà donc ce qui est donc l'aperçu général de l'autoroute nord-sud. Il faut dire que aussi ce que nous avons prévu à court terme, c'est la transformation donc de Blida, donc Chiffa, jusqu'à Ghardaïa, qui regroupe les villages de Blida, Média, Djulfa, Lorat aujourd'hui, et Ghardaïa jusqu'à la limite du wilaya de Tandarasset. Pour ce qui est donc du tronçon de Lorat, je laisse donc la parole au monsieur DTP donc, de présenter donc, le tronçon qui concerne la ville de Lorat. Ce qui concerne la ville de Lorat, concerné par un tronçon de 168 km, dans 65 km. Il y a les entraves de doublement dans le cadre du quinquennat 2005-2009, une mise en circulation en 2009. Cette section nécessite une mise à niveau au nord autoroutier. Ça concerne les 103 km. L'autorisation de programme disponible ne peut couvrir que la réalisation de 90 km. Dans les marchés ont été attribués 6 entreprises, dont 3 entreprises locales privées et un groupe d'entreprises publiques, SAPA et CERWEST, pour la réalisation de l'eau d'ouvrage d'art. C'est pour nous, monsieur le Premier ministre, pour montrer dans la maquette. Ces ouvrages d'art et 16 dalo et la protection de 13 pipes pour gazoduc de Hassirmal vers l'est et l'ouest. Donc un besoin est pour la réalisation du contournement de Billy, c'est l'évitement à la ville de Billy, et un besoin pour de 4 milliards de dinars pour la prise en charge des 13 km qui restent vers la ville de Ghardaïa pour l'achèvement, pour mettre la fin et parachèvement de l'itinéraire manquant aux normes autoroutières.
20 mois, avec le montant des travaux, des marchés engagés, c'est 7,784 millions de dinars, avec un délai de réalisation de 20 mois. C'est-à-dire, en 20 mois, Inch'Allah, ils sont 68 km. Ils seront totalement donc achevés, Inch'Allah, aux normes autoroutières, avec l'évitement de certaines agglomérations, avec un nouveau corps-chaussée. Parce que par le passé, il s'agit donc juste d'une mince couche de bitume. Maintenant, c'est un nouveau corps de chaussée qui prend en charge donc le nouveau trafic, la densité du trafic. Et en même temps, certains endroits, il s'agit aussi de surélever donc le niveau, surtout pour les sections donc inondables. Et beaucoup d'ouvrages d'art, des échangeurs aussi pour les nouvelles donc construction ou bien les nouveaux centres urbains ou bien même les nouvelles donc grandes infrastructures publiques. Donc pour prendre en charge tout cela maintenant, totalement 100% de droit, Inch'Allah, il nous faut encore 4 milliards de dinars pour parachèvement d'autres. Voilà. Tu l'as l'arbre de 4 milliards de dollars de droit pour la fille. Tu l'as l'arbre de 4 milliards de dollars. صح 13 كيلومتر تدخلوها في 20 شهر مع هذا اللي يقولوا كان دكتور بريس لي في بوبليك هادو ناسيونال تقريبا 13 كيلومتر على 20 شهر نجيو ان شاء الله ان شاء الله نكونوا مردوده سي كونتي اون اكسبيريانس Thank you.
On dispose quand même de potentiels agricoles très avérés. La valeur de la production agricole en 2012 a dépassé les 39 milliards de dinars, ce qui nous donne un taux de croissance de 11,4%, ce qui n'est pas loin du taux de croissance nationale qui est de 13%. Si vous permettez, on est au niveau du périmètre, en fait on est au niveau de deux périmètres, le périmètre Grara et Health. Ils sont spécialisés dans la production de pommes de terre avec une saillie de 2850 hectares. On est en train, pour le moment, d'exploiter 700 hectares. Ça veut dire que la marge de progression est très importante. On peut multiplier facilement la superficie aérée par le nombre de bénéficiaires. Mobilisation des ressources hydriques, réalisation des forages, fertilité, c'est la mission de la Joupe, c'est 20 fameuses unités, 7 fameuses unités. L'amélioration des conditions de vie des localités, de l'occupation rurale, on a distribué une formation solaire, on a 700 la cour, l'agroécologie électrique, 25 millions de cartouches, 220 par la distribution d'unités de petits filmages. سياسه الدوله في ترقيه الاستثمار الذي شكله خصوصا المياه الفلاحيه ونحن هنا في هذا المحيط الفلاحي النموذجي عقود استفاده فائده الشباب من 300 الحاج المشري والفائده وهي عمود لمجموع العقود المخصصه فقط هي عينه اليوم ومعنا هذا الشباب ان يتحمس للاستثمار وهي تقيمه الارض من طرق حديث المصطفى ولامه تلبس مما هي حماسة الشباب وأيضا دائما